En fait, j'ai l'impression que ça sert à rien les règles. Tu t'écris des choses, il y en a qui vont faire le contraire. Il y en a des fois qui se plaignent au forum qu'il y en a qui les respectent pas. Du coup, le respect, bah, depuis le début, on l'a mis dans le non négociable parce que ça se fait pas de pas respecter les autres. Les amener à construire des réflexions, ouais. Et à prendre du recul sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils vivent. Qui se rapprochait ? Moi. Bravo ! Ouais. Flying again after 20 years in a cage. C'est très différent parce que déjà on vit pas dans des tentes chez moi. On vit dans une maison. On vit pas avec plusieurs personnes dans la même tente et puis on met pas tous nos vêtements dans une valise. I've also had doubt and I've seen you slipping slowly in the serpent's mouth. Never happened. Flights that were abandoned, cut short like a throat, uninvited to sing as I want. Paire de chaussettes. 6. Ok. Faire en sorte que vous ayez pas toutes vos affaires qui traînent, une chaussette par là, un pantalon de l'autre côté. Toi, t'es un Marocain. T'es un Algérien. T'es un Tunisien. T'es quoi ? Indien. On a un Inde. On dirait pas. In the holy land. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça s'appelle le forum. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un forum ? On essaie, nous, d'avoir un apport éducatif avec les enfants, justement, pour leur permettre de se déconnecter de tout ça. Ça, leur portable, ils passent leur vie dessus à la maison. Ouais, je sais, bien sûr. Donc après, on n'est pas cohérent. Au niveau éducatif, si on leur dit, ben voilà, les portables, ben, c'est bien que vous les ayez pas toute la journée, vous allez les avoir de temps en temps, et sinon on va se constater notre journée dessus. C'est pas cohérent avec ce qu'on veut leur transmettre. Oui, je sais. Allez, mais viens, bon anniversaire, c'est bon. J'ai passé ? Ouais, c'est bon. Et moi, j'ai l'air de quoi avec une 1m75 sur mon bateau, à ton avis ? Ah ouais, j'ai l'air de rien. J'ai un peu l'impression que tu vois que t'es pas hyper sérieux, tu prends pas ça forcément au sérieux. On va avoir 41 enfants, j'ai pas envie d'en avoir 42. Et après les et de la mousse. Des trucs d'œufs là. Je veux faire la randonnée, mais aujourd'hui j'ai pas envie de les voir. On va recommencer comme avant, tu vas passer tes journées tout seul. Au moins, on sera sûr que t'arrêteras personne. On a la nature, on a un lac juste à côté, on a des canards. Je te laisse plus tout seul sans groupe en fait. Même quand t'es là-haut dans la hurte, je demande s'il y a quelqu'un, bah tiens, tu veux pas aller checker là-haut pour voir ce que fait Louis. Ici, on peut trouver des amoureux, mais ça sert à rien, mais bon. On a formé une famille en fait. Voilà, c'est comme une... Enfin, c'est bon, on a formé une famille de colos, hein.